Mon âme a soif de toi. Quel merveilleux thème. Laissez-moi, en introduction de ce CD, partager avec vous une histoire qui est arrivée à un prédicateur. Un jour, alors qu'il était invité lors d'une campagne d'évangélisation, alors qu'il était en train de prêcher sur le thème « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses ». Pendant la prédication, il crut reconnaître un ami dans l'auditoire. Il se dit en lui-même, tout en prêchant, « Lorsque la prédication et la réunion seront terminées, eh bien, j'irai retrouver cet ami ». L'histoire nous dit qu'au bout de quelques minutes, lorsque la réunion prit fin, ce pasteur descendit de l'estrade, sillonna les allées et alla à la rencontre de cet ami en question. Arrivé à côté de lui, alors que cet homme était de dos, il lui posa la main sur l'épaule et lui dit « Alors, comment va ton âme ?» Cette personne se retourna et le prédicateur se rendit compte à ce moment-là qu'il a fait erreur sur la personne. Il dit « Excusez-moi, monsieur, je me suis trompé, je pensais avoir reconnu un ami. » « Non, non, de rien, il n'y a aucun problème. » Les deux personnes se sont séparées. Quasiment un an plus tard, au même moment, ce même pasteur était de nouveau invité dans cette même église. Puis à la fin de la réunion, alors que tout le monde se serrait la main et chacun allait se séparer, quelqu'un vient vers ce prédicateur et lui dit « Bonjour frère, vous me reconnaissez ?» L'homme intrigué « Non, je suis désolé, je ne vous remets pas. » « Mais si, souvenez-vous, l'année dernière, lorsque vous avez prêché sur le thème du psaume 34 au verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. » Oui, c'est bien possible. Eh bien, rappelez-vous, vous êtes descendu de l'estrade et vous avez posé votre main sur l'épaule d'un homme, croyant l'avoir reconnu. Et vous lui avez posé cette question en lui disant « Alors, comment va ton âme ?»« Ah oui, 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 je me souviens. Eh bien, monsieur, cet homme, c'est moi. »« Ah bon ? Et alors ? Et alors ? Eh bien, je viens simplement vous témoigner aujourd'hui de ce qui s'est passé. L'année dernière, après la réunion, je suis rentré chez moi intrigué. » Intrigué par cette question que vous m'avez posée, intrigué par le message de l'Évangile. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et effectivement, monsieur, ce jour-là, je me suis vraiment rendu compte que j'étais malheureux, que j'allais pas bien. Oh, j'ai bien souvent, pendant des années, essayé de prendre soin de mon corps, essayé de prendre soin de ma santé, essayé de prendre soin de mon confort et de ma famille. Mais jamais, jamais je ne me suis soucié de mon âme. Et ce soir-là, j'ai compris. Cette question a résonné dans mon cœur. J'ai finalement interroger Dieu ce soir-là en disant « Eh bien Dieu, Seigneur, je ne te connais pas. Mais si seulement tu voulais faire du bien à mon âme, si tu voulais restaurer mon âme, alors je te suivrai. » Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que Dieu a fait. Depuis un an, je marche avec Dieu, je travaille pour Dieu, je suis maintenant baptisé et je veux servir Dieu de tout mon cœur parce que Dieu a restauré mon âme. Et je viens vous voir aujourd'hui et je dis gloire à Dieu parce qu'il a pris soin de mon âme. Aujourd'hui, vous qui écoutez cette histoire, peut-être êtes-vous dans cette même situation et vous êtes en train de vous dire « Et moi, mon âme, qu'en est-il de mon âme? Dans quel état est-elle? Depuis combien de temps n'en ai-je pas pris soin ?» Si, à travers l'écoute de ce CD, vous pouviez prendre conscience réellement que ce qui est le plus important pour vous et pour Dieu, c'est votre âme. Alors posez-vous cette question, comment va mon âme? Si la réponse est négative, notre souhait est que vous puissiez trouver une restauration pour votre âme. Que vous puissiez vraiment prendre l'engagement de dire, Seigneur, viens restaurer mon âme. Que Dieu vous bénisse.
Ils font ce qui leur semble bon. Ils n'ont pas d'égard pour ton nom. Ils vivent sans se soucier de faire ta volonté. Les gens autour de moi ne se préoccupent pas de tout ce qui peut se passer. Ils pensent vivre d'une éternité, mais ils n'ont pas découvert Jésus sur la terre. Mais moi, je mettrai mon honneur à servir le Seigneur, le louer de tout mon cœur. Je veux passer toute ma vie. De faire ta volonté. Les gens autour de moi ne se préoccupent pas de tout ce qui peut se passer. Ils pensent une éternité, mais ils n'ont pas découvert Jésus sur la terre. Et moi, à servir le Seigneur, le louer de tout mon cœur. Je veux passer toute ma vie revêtu de l'Esprit devant toi. J'apporterai, Seigneur, tout ce qui a de meilleur dans l'unité de mon cœur. Et pour te contempler au ciel, toute ma vie revêtue de l'Esprit devant toi. J'apporterai, Seigneur, tout ce qu'il y a de meilleur dans l'humilité de mon cœur. Et pour te contempler au ciel, je resterai fidèle, fidèle. juste et parfait.
pourtant fut crucifié. Mais aujourd'hui il est monté au ciel et il offre le salut éternel. L'amour de Dieu s'est répandu à travers du sacrifice de Jésus. Si tu reçois Jésus maintenant, maintenant, de Gethsémané. Jésus, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en son nom. Tu peux échapper au jugement si tu reçois Jésus maintenant, à l'ennemi un accès. Je laisse à Dieu le soin de me diriger. J'ai besoin plus que jamais que ma vie soit inondée de l'onction de Dieu dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit, je refuse de continuer sans ta présence à mes côtés. Mais en attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour. J'ai perdu du temps, j'ai laissé souvent la porte ouverte aux choses qui me perdent. Mais maintenant, je veux racheter le temps. Je désire aujourd'hui lui consacrer ma vie.
je ne veux plus laisser à l'ennemi un accès. Je laisse à Dieu le soin de me diriger. J'ai besoin plus que jamais que ma vie soit inondée de l'onction de Dieu dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de continuer sans ta présence à mes côtés, mais en attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour. Pourquoi ce silence de Dieu dans ma vie? Tant de questions sans réponse, tant de peines et tant de souffrances, je me suis souvent demandé, Seigneur, mais pourquoi? Quand je considère ce mystère, pourquoi les gens sans Dieu semblent être heureux? Ils n'ont aucune part aux souffrances, ils méprisent Dieu et sa présence. J'étais prêt à tout arrêter, mais Jésus est venu m'éclairer. Et quand je suis entré dans sa présence, les choses de la terre n'avaient plus d'importance. Seule la présence de Dieu peut remplir un cœur malheureux. Un moment avec lui peut changer une destinée. Les choses que je ne comprends pas, je les dépose tout entière à ses pieds. Ces questions qui me font du mal, ces pensées, ces blessures à l'âme, il sait me rassurer quand mon cœur ne sait plus où il est. Renoncer à tout pour le suivre n'est pas une vie facile et sans souci. Mais il a promis d'être là dans mes épreuves et dans la joie. Et si je reste fidèle à lui, je sais qu'un jour je le verrai. Et quand j'entre aujourd'hui dans sa présence, les choses de la terre n'ont plus d'importance. Seule la présence de Dieu peut remplir un cœur malheureux. Un moment avec lui peut changer une destinée. J'ai souvent à tes commandements, j'étais zélé pourtant, mais pas assez prudent. Je te demande pardon pour mes fautes et mes manquements. J'avais tout, j'étais rassasié,
mais je n'ai pas su veiller. La bénédiction, redonne-moi la vision, remplis-moi de ton onction. Je m'approche pour retrouver ce premier amour, je l'avais abandonné, mais dans ta présence je reviens, car sans toi je ne suis rien. J'ai failli souvent à tes commandements. J'étais zélé pourtant, mais pas assez prudent. Je te demande pardon pour mes fautes et mes manquements. J'avais tout, j'étais rassasié, mais je n'ai pas su veiller. Mais je me lèverai et j'irai chercher la bénédiction. Redonne-moi la vision, remplis-moi de ton onction. Je m'approche pour retrouver ce premier amour. Je l'avais abandonné, mais dans ta présence je reviens, car sans toi je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Me prosterner de
la vie que tu m'as donnée. Je désire la consacrer à servir Dieu. C'est là mon vœu, être fidèle à mon Dieu. Je m'efforcerai de le suivre, même si l'ennemi veut m'arrêter. Je ne chancellerai plaisir qu'en toi.
semble et fait ma joie. Viens chercher ton Église, Jésus près de toi. Je veux vivre, tous les problèmes finiront quand Jésus nous te verrons. Viens, nous cette terre, Jésus sera notre lumière. Ce jour est proche maintenant. Jésus, nous t'attendons. Je regarde à ma vie, je me dis aujourd'hui, depuis le temps que je connais Dieu, ai-je vraiment fait sa volonté? J'ai souvent de fois baissé les bras, le doute a remplacé ma foi. Quand je voulais tout arrêter, je me sentais abandonné. La voix de Dieu soudain me disait, je ne t'ai jamais délaissé. Regarde à la croix, Jésus a tout pris sur lui. Il a détruit le de lui. Regarde à la croix et contemple l'amour de Jésus pour toi. Il a tout supporté pour faire ta joie. Saisis-le par la foi, Dieu compte encore sur toi. Je regarde à ma vie, je me dis aujourd'hui, depuis le temps que je connais Dieu, ai-je vraiment fait sa volonté? J'ai souvent de fois baissé les bras, le doute a remplacé ma foi. Quand je voulais tout arrêter, je me sentais abandonné. De Dieu soudain me disait, je ne t'ai jamais délaissé. Regarde à la croix, Jésus a tout pris sur lui. Il a détruit l'œuvre de l'ennemi. Tu es libre aujourd'hui de t'approcher de lui. Regarde à la croix et contemple l'amour de Jésus pour toi. Il a tout supporté pour faire ta joie. Saisis-le par la foi, Dieu compte encore sur toi. Mais regarde à la croix.
des années, j'ai mis Jésus de côté. Pourtant j'en ai réussi des projets dans ma vie. J'avais des amis, une vie remplie, et pourtant fatigué et insatisfait. J'ai cru pouvoir sans toi, mais toi qui sens de l'écart, fuirai-je loin de toi? Je suis en sécurité quand je me confie en toi. Seigneur, conduis-moi sur la route qui me mène vers toi. Je te confie toute ma vie, mes doutes et mes combats. Je sais que rien n'est plus grand qu'un moment avec toi. Je n'ai plus peur de demain, car ma vie est dans tes mains. Je
Jésus. Tu es l'espoir dans ce monde noir, la solution. Que ton ancien et ta main soient sur moi. Je n'ai pas toujours entendu le son de ta voix. Je me suis trompé en pensant m'en sortir sans toi. Mais toi qui sens de l'écart, où fuirais-je loin de toi? Je suis en sécurité quand je me confie en toi. Seigneur, conduis-moi sur la route qui me mène vers toi. Je te confie toute ma vie, mes doutes et mes combats. Je sais que rien n'est plus grand qu'un moment avec toi. Je n'ai plus peur de demain, car ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es venu nous montrer le chemin. Et là, il est apparu par ton sacrifice, Jésus. Dans ce monde en perdition, je dois la vie. À toi je dois la vie. Comment te dire merci? Je désire bénir ton cœur, toi Jésus mon sauveur. Conduis-moi pas là où tu voudras, mais que ton ancien Riche.
Jésus peut t'apporter ce que tu comblé. Mais j'ai découvert Jésus et la lumière a jailli. Il a tout changé en moi. J'ai compris que la vie c'était lui. Quand il entre dans une vie, il transforme et il bénit tout ce qu'il y a de meilleur. Jésus-Christ le dépose dans un cœur. Vous pouvez venir à lui.